맞다? 네, 뉴스에 남기나? 아, 그게 붙이는 거 있어요. 스웨덴이요. 아, 스웨덴. 아, 스웨덴. C'est ça quand on vient installer. Bah oui, il fallait pas bloquer la nuance. Est-ce que tu entendais quand je testais le microphone? Oh non, c'est bon. Oui. Même temps. Donc, il y a des mains pour tout ce qui est en bon moment. Et de toute façon, on va s'est connecté, tout ça. Oui, tout en même temps, on va aller plus qu'on a parti. Tout en même temps, on va aller plus qu'on a parti. C'est bon. Très bien, la voiture. Test. Test. Ok. Un, deux. Non, ça aussi, clair. Ok. La bouteille, un, deux. Test. Test. Mais là, mon gros sommet, vous êtes capable de consommer, ça peut être comme ça. La base est la moins plus. Tu n'as pas besoin de... Tu n'as pas besoin de...
Thank you.
Gracias.
Et non, c'est un peu cher. C'est pas ce que l'espace est interdit. Dans la caméra la salle. Dans la salle, ça on a une caméra dans la salle.
c'est pas faire je travaille du bosson ou après notre d'avant jeune maximum là fait ça la page. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous avons invité la famille de la mariée à faire leur entrée, s'il vous plaît.
une des personnes les plus importantes de la journée, il va devoir faire son entrée. Donc ça sera le marié qui va rentrer accompagné de la maman. Thank you.
Thank you.
préparez vos mains, vos voix, vos cris, parce que là, ça sera la totale. La mariée va faire son mariage. Come upon this earth, possessing and anointing men and women. Did you know they all have one target and one purpose, which is to stand in the way of the bride? But did you know that Jehovah Nissi has come down today to fight for his own? And I've chosen. Oh,
Après que Dieu a créé l'homme, il a sorti de cet homme-là,
pas pour rien, l'Écriture nous le dit ainsi. On ne l'a pas dit pour la femme. On a dit, c'est pourquoi l'homme devrait quitter son père, sa mère, pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que Siméon, si tu ne quittes pas ta famille, si ta famille, dans ton foyer, a toujours un mot à dire, devant Dieu, vous n'êtes pas une seule chair. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Écriture qui l'a dit au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Lorsque Dieu a présenté la femme à Adam, Adam a dit, voici celle qui est haute des autres et chère de ma chair. Mais Adam n'était pas resté fixe en train de regarder. Dieu a présenté la femme et c'était à Adam de faire un effort pour tendre sa mère et prendre sa femme. Cela veut dire qu'Adam a fait un mouvement de là où il s'est trouvé vers un autre point où il ne se trouvait pas. Et c'est à ce point-là qu'Adam a trouvé sa femme. C'est pourquoi Dieu dit que non, tu dois quitter tout ce qui t'entoure pour t'attacher à ta femme. Et je veux aussi parler à l'Église. Lorsque Dieu a présenté la femme à Adam, Dieu l'a tiré de quelque part et Dieu la présente devant Adam. Ça dit que Dieu te voit de ta famille. Il te déconnecte aussi de ta famille pour que tu puisses t'attacher à Siméon. Cela veut dire que si tu veux que vous soyez devant Dieu une seule chair, aujourd'hui on a posé la question à Papa Dima si il accepta ce que tu deviennes l'épouse de Siméon. Et devant Dieu et devant les hommes, Papa Dima a dit oui publiquement. Ça dit qu'aujourd'hui, après la bénédiction, Papa Dima n'aura aucun mot sur toi. Donc cela veut dire que tu ne peux pas laisser à ce que ta famille puisse commencer à diriger ta vie. À venir diriger ton mari ou à conduire ta famille. Nous sommes en train de le dire ainsi, c'est parce que Dieu est en train de lier la bénédiction du mariage avec la déconnexion des familles. Dieu dit que non, si cela se fait, c'est alors que l'homme et la femme deviendront plus chers. Si l'homme ne se déconnecte pas, et que c'est tout le monde dans sa famille qui vient pour conduire son foyer, si la femme ne se déconnecte pas, et que c'est tout le monde qui vient pour conduire sa famille, devant Dieu, c'est pas un mariage. Ça, c'est le premier élément que je voulais partager avec vous, mariés, c'est tout. Et deuxième point, c'est lequel? La Bible nous dit toujours dans l'homme, nous avons lu, l'Éternel Dieu forma une femme de la porte qu'il avait prise de l'homme, et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. L'Écriture ne nous dit pas que Adam a dit, voici cette fois-ci, celle qui est parmi tant d'autres, os de mes os et chair de ma chair. Cela sous-entend que, alors que nous sommes en train de vouloir vous bénir, il faudrait que Siméon, pour que tu donnes des sens à ton mariage, tu dois oublier toutes les autres filles qui pouvaient passer dans ton esprit. Si tu veux assez que Dieu bénisse, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est que c'est autant aussi pour bénisse. Si tu veux assez que ton mariage puisse avoir des sens devant Dieu, pendant que nous sommes ici, tu dois te déconnecter tes pensées de tous les autres hommes, tous les autres garçons qui pouvaient circuler dans ton esprit. Au cas contraire, devant Dieu, ça ne sera pas un mariage. Nous allons bénir ce qu'on appelle un bon pèlerinage. Je pense que si nous sommes réunis ici, c'est parce que nous voulons que Dieu bénisse votre mariage. Et alors, je voudrais vous faire comprendre quelque chose. D'après ce qu'on nous enseigne, on nous dit que le mariage est un contrat. Ça, c'est ce que les hommes disent. Et par défaut, lorsque nous parlons déjà d'un contrat, cela donne déjà une certaine ouverture à Satan de s'infiltrer pour arrêter un contrat. Pour arrêter ce contrat-là, de telle manière que nous puissions parler un jour du divorce. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Lorsque Adam a vu Ève, Adam a compris par la révélation que Ève est sortie de lui. Donc cela veut dire quoi simplement? C'est que à l'éternité, vous étiez une
Sva et il t'a confié à Papa Yona, et t'a confié à Papa Emmanuel. Mais Dieu voulait ce que, si cette terre ici, vous puissiez arriver à vous réunir encore. Et les seuls pas qui a aidé à ce que vous puissiez vous réunir, c'est la prière. Parce que vous avez été à l'église, et à l'église, il y avait toutes sortes de filles, toutes sortes de garçons. Mais là, il fallait ce que vous puissiez parvenir à faire la distinction entre, parmi toutes ces filles et tous ces garçons, qui est celle ou celui que Dieu a prédestiné pour toi. Et c'était au moyen de la prière. C'est pourquoi on nous dit ici, Dieu même, quand avait même Adam et tout seul, il n'y avait pas d'autres filles, Dieu l'a quand même endormi pour nous donner un modèle. Et si tu veux trouver celle que toi tu peux dire, qui est hors des eaux, chère de ma chair, tu dois passer par la prière. Et nous voyons, et Eunice et Siméon ont eu le temps de prier afin qu'ils puissent faire les choses. Et j'aimerais vous dire encore, afin que nous puissions venir, je pense que de façon isolée, vous vous êtes retiré et il vous est arrivé de faire le vœu du mariage. Pourquoi je le dis ainsi? C'est parce que Femme l'a dit que lorsque les vœux du mariage ne sont pas faits de la bonne façon, même quand on bénit, Dieu ne procède pas ça comme un mariage. Femme l'a fait comprendre qu'il n'y a pas un officier de l'État civil, il n'y a pas un pasteur qui bénit réellement, mais ce sont les deux concernés qui se bénissent lorsqu'ils se font les vœux. Et nous, ce que moi je vais faire, oui, je suis un officier de Dieu, ce que je vais faire maintenant, c'est juste pour bénir les vœux que vous avez fait. Et j'espère que vous l'avez fait de la bonne façon. Est-ce qu'on peut croire avant de procéder? Parce qu'on ne va pas gagner du temps vu qu'on est déjà en retard. Ou vous procéder à ce que nous puissions vous laisser quelques temps pour que vous puissiez vous retirer et vous faire les vœux. Simon, ça a été fait correctement. Eunice, ça a été fait correctement. Alors, puisque devant Dieu, devant les hommes, il vient de mentionner que tout a été fait de la bonne façon, alors ça nous donne aussi l'autorité de pouvoir le bénir. Alors nous allons procéder à la bénédiction. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant Dieu et devant ce groupe de gens pour unir cet homme au nom de Siméon et cette femme au nom d'Élise dans le lien sacré du mariage. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme étant une chose honorable parmi tous. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt de façon convenable, avec modestie et dans la crainte de Dieu. C'est là ce que nous avons signalé pour dire qu'il a fallu que vous puissiez aller en prière pour que Dieu vous connaisse. Et nous voyons que vous l'avez fait. Chers bien-aimés, les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans ce lien sacré du mariage. S'il y a ici des gens qui peuvent montrer un motif valable pour lequel elles ne devraient pas être légalement unies dans ce mariage sacré, qu'ils le disent maintenant, sinon qu'ils gardent désormais silence et pour toujours. Et c'est fait pour que les gens vous voient très bien. Je vais vous inviter à mon petit sur les femmes. C'est mes rangs. Et vous allez regarder la salle. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a un motif valable qui peut empêcher ce que Eunice et Siméon ne sont pas bénis ou ne sont pas mariés? Je ne vois personne dans la salle qui lève sa main. Nous sommes devant Dieu. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est un ordre divin. Alors, si quelqu'un aurait un motif et qu'il n'a pas eu le courage de le dire, la parole de Dieu lui demande de rester silencieux jusqu'à ce qu'il va quitter la terre.
l'occasion de pouvoir dire s'il y a un motif, il y a une raison. Ok. Il n'y a pas de raison ici dans la salle. Moi, je n'ai pas de raison. Ce n'est pas papa de moi. Vous avez dit oui, mais vous n'avez pas changé d'avis. Maman Jeannette, vous n'avez pas changé d'avis. Ok. Moi-même, je représente les pères de Siméon, donc je n'ai pas changé d'avis. Alors, à Siméon et à Nice, j'exigerai et vous demanderai à vous deux. Car vous répondrez certainement le jour du jugement, car les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Et si l'un de vous connaît un très grand obstacle qui empêcherait que vous soyez également unis dans ce mariage, qu'il le confesse maintenant, car soyez-en assurés. Tout couple qui est uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal. Siméon, est-ce que tu étais marié avant? Mais tu étais marié avant? Personne d'entre vous ne connaît nos sacs qui peut empêcher. Nous sommes devant Dieu. Mais croyant, bien entendu, que vous avez considéré cet engagement solennel, et vous allez bientôt prendre que vous vous êtes donc préparé à y entrer sur la même base, avec respect, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de faire l'alliance de mariage. Vous allez exprimer la même chose en joignant vos mains droites. Prenez-vous vos mains droites. Et ici, est-ce que... Axel, tu peux t'approcher avec les amis. Qui a possédé? C'est visible quand même dans la salle, c'est bon, tout le monde le voit. Siméon, acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ce lien sacré du mariage? Oui, je l'accepte. Alors que vous avez vos mains.
situation vous menait. Vous êtes d'accord de pouvoir avancer sur cette terrain. Vous ne plus regarder à d'autres garçons, vous ne plus regarder à d'autres filles. Oui, je suis d'accord d'avancer.
je resterai avec toi jusqu'à ce que nous ayons un rendez-vous. Je conclue un pacte d'amour avec toi devant Dieu. Et je promets de t'aimer, de t'être fidèle, de prendre soin de toi jusqu'à la fin des jours. Je t'aime en mort. Oui, c'est ton tour. Madame Simeon, Madame Simeon, je mets cette alliance pour conclure mon amour. Je resterai toujours à tes côtés pour former un beau foyer. Je t'aime de tout mon cœur. Je prierai toujours, toujours pour toi. Amen. 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 Sur base, je vous veux, nous allons vous bénir. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, premièrement, nous voulons te remercier parce que dans ta grâce, dans ton amour, tu as permis que cette cérémonie puisse se réaliser. Dieu tout-puissant, Dieu de paix, nous savons que Satan n'aime pas le mariage. Il y a eu certainement, notre Dieu, trop de complications, mais tu restes toujours le victorieux et nous voulons te dire merci pour ta bonté et ta grâce. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous t'apportons Siméon et Eunice devant toi. Ils se sont fait le vœu, notre Père, pour vivre ensemble. Et nous te demandons, notre Dieu, oh Père, comme tu avais béni Isaac et Rebecca, que dans ta grâce, bien-aimé Jésus, que tu les bénisses, que tu aplanisses leurs sentiers, et que le bonheur et la grâce puissent les accompagner. Seigneur, notre Père et notre Dieu, dans leur combat, souviens-toi de ta promesse que tu as dite. Et tu seras l'ennemi et l'ex-ennemi et l'adversaire de l'ex-adversaire. Qui voient ta gloire et qui aient ta victoire. Et que cela puisse les accompagner tout le long de leur vie. Bien-aimé notre Père et notre Dieu, nous te les apportons afin que tu bénisses les réunions, notre Seigneur. Bien-aimé notre Père, alors que nous avons nos mains sur eux, nous savons que nos mains ne valent rien dire. Mais bien-aimé notre Père et notre Dieu, d'abord nous dit que les mains des ministres représentent les mains de Jésus. Alors que Père, j'ai mes mains sur eux, je déclare qu'ils sont bénis au nom de Jésus-Christ. Et que comme ta parole dit, que personne ne puisse séparer ce que Dieu a donné. Qu'il a soit ainsi dans ta paix, que tu leur donnes, ô Père des enfants. Déjà ici, mon Père, nous condamnons tout esprit de stérilité. Amen. Tout esprit qui n'est pas de toi, que cela soit de lui-même au nom de Jésus-Christ. Amen. Et qu'il puisse tout le temps avoir la victoire. Et que les bénis dans ta grâce, mon Père, s'il y aurait là demain. Et bénis notre Dieu, qu'il puisse avoir de bons enfants. Et qu'il puisse avancer avec toi. Amen. Oui, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous demandons. Il est déclaré béni au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Ok. Devant Dieu et devant les hommes, vous avez parlé et vous êtes promis de vivre ensemble. Et moi, en tant qu'officier de culte, je vous ai béni. Nous avons béni votre lien de mariage. Maintenant, là, nous demanderons à M. Siméon de pouvoir embrasser sa femme. Je pense que tout le monde est en train de voir ce que Eunice est en train de faire. Oui. C'est pour dire que publiquement, Eunice est en train de nous faire voir que ses parents n'ont aucune autorité désormais sur elle. Amen. Et même moi, le pasteur, je n'ai aucune autorité sur elle désormais. Et que tout le pouvoir revient à Siméon. Dans l'autre sens, cela veut dire aussi que Siméon, et vous avez toute la charge de Eunice sur vos épaules. Donc demain ou après demain, si Eunice est fatiguée, vous ne pas aller travailler, ne faites pas de problème. Et après quoi, on va inviter les mariés
la signature du document. Thank you.
Yes, sir!
Sí, no, muy bien.